une belle journée pour les habitants de l'archipel du Frioul, puisqu'on vient de concrétiser, après un an d'expérimentation, un service de soins à domicile qui fonctionne, qui ne demande qu'à se développer. Il y a maintenant un local, un lieu, pour que les infirmiers puissent se poser et demain peut-être développer d'autres services. Et nous remercions, avec la mairie du 1-7, le travail qu'on a mené depuis 2 ans avec le CCAS de Marseille et Mme Garino, sa présidente. Et Mme Sophie Camard s'associe bien entendu à cette manifestation qui aujourd'hui sacralise tout ce qu'on a fait pendant 2 ans de lutte, parce que les habitants se sont aussi mobilisés avec nous pour obtenir les accords avec l'État et l'ARS. Christian Pellicani a raison, c'est vraiment 2 ans d'un travail partenarial très fort. Ça semble pas grand chose, mais c'est vraiment, on a dû lever de nombreux obstacles pour arriver à cela. Lorsque la mairie de secteur nous a évidemment contacté au CCAS, on a répondu présent tout de suite. Il n'était pas possible de laisser les habitants du Frioul sans accès aux soins. Le Frioul est un quartier de Marseille, même s'il est loin, même s'il est sur une île. C'est un quartier du 7e arrondissement et nous tenions, nous, évidemment, à ce que l'accès aux soins soit maintenu pour ses résidents, mais surtout que les services publics prennent toute sa place ici. Alors aujourd'hui, vous le voyez, c'est un service de soins infirmiers à domicile, mais c'est une première étape pour le CCAS. Le CCAS a une offre beaucoup plus large, notamment en termes de maintien à domicile des personnes âgées, et tout ça va se développer dans les semaines et mois qui viennent. Aujourd'hui, on met un premier pied, mais demain, on mettra le deuxième, et c'est le retour vraiment du service public municipal sur l'île du Frioul. Je suis membre de l'association Mieux Vivre au Frioul. Donc, c'est une association que nous avons initiée avec certains habitants du Frioul il y a 4 ans, suite aux divers problèmes que nos grands aînés ont rencontrés pour avoir des soins à domicile. C'était difficile pour eux de plus en plus d'aller sur Marseille pour faire par exemple une prise de sang ou consulter un infirmier pour avoir un soin. On a réussi à force de persuader la mairie, le CCAS, l'ARS de pouvoir nous fournir ce service de soins sur le Frioul et aujourd'hui d'inaugurer une infirmerie.